Savez-vous, ma chère, si Madame Palmieri est arrivée? Je ne sais pas, mon cher baron, vous allez voir. Merci. D'ailleurs, pourquoi Madame Palmieri? Que savez-vous de son mariage? Je vais vous raconter. Quand elle eut 20 ans, le vieux banquier Palmieri demanda sa main. Elle refusa tout d'abord. Et puis brusquement, un jour, sans qu'on sût pourquoi, elle accepta. Sans doute un amour contrarié, d'où des filles. Peut-être. Palmieri était d'ailleurs un homme très bien élevé, très discret. Il le prouva en mourant quelques mois plus tard. Il laissant à Madame Palmieri une fortune de 300 millions qui fait l'objet de toutes mes préoccupations diplomatiques. 300 millions, bigre! Elle est délicieuse! Vous ne la connaissez pas? Ah si, maintenant nous la connaissons. Ah, c'est une joyeuse love. Du reste, quand on a 300 millions et un mari, et qu'on perd le mari mais pas les 300 millions, ça fait 301 raisons d'être content. Pour beaucoup moins que ça, je serais un joyeux veuf. Voici Madame Palmieri. Je ne connais votre Paris que depuis peu de jours, et je me trouve trop d'esprit pour croire à votre amour. Chez nous, quand on va se marier, on n'est pas si belle. On n'avait que de s'accorder, toi tu plais, moi je te plais. Mon père a son robe, j'ai son robot, et le mien, tous les cochons, les loups, prends ton nom, et les grâce à mes libations, j'entremêle de fantaisie mes saintes occupations. Dès que 2 heures sont sonnées, je cours à la légation et m'y tue toute la journée jusqu'à 3 heures sans rémission. J'écris des lettres parfumées pour jurer éternellement à d'éphémères bien-aimées le grand amour d'intime maman. Déjà 3 heures sont sonnées, vite ma canne et mon chapeau. Après une telle journée, il faut prendre un peu de repos. Alors j'ai 2 petites amies, j'essaie partout tous les moyens. J'essaie jusqu'à 6h30 de devenir bien parisien. Toujours par dégoûtement pour mon gouvernement, je voltige à la ronde, de la brune à la blonde. Manon, lisons, Ninon, Susan, penchons, toi, non, c'est tout un demi-monde où jamais on ne dit non. Alors, ayant servi toute la nuit mon pays, je m'endors l'âme contente dès l'heure où le coq chante.
chante et rêve de choses folles, de femmes au cœur constant, de diplomates habiles et d'éternels amants. La patrie, où est la patrie? Là, je m'installe ici, dans cette oasis. Ah, oh, éloigne-toi, figue, éloigne-toi. Je ne veux pas avoir de cauchemar. Mais prince, je veux rêver. Sa tendresse fait qu'on se meurt sous la caresse de sa douceur. C'est la valse écoutée qui vous ordonne que votre âme s'abandonne au bras fort de vos valseurs. Rythme lent qui vous prend et vous brise, qui bondit, puis languit et se brise, ainsi flotte et s'enroule et se voile, une écharpe de soie. Écoutez ces accords qui s'éveillent, c'est le chant du printemps dans les feuilles. Le frisson des paillantes et tremblant des roseaux quand la brise frémit sur les eaux. Comme un dieu fait pour tout de même un peu mieux. C'est pour vous plaider que je l'ai gardé et vous l'ai choisi avec tout mon cœur, voulant donner le meilleur pas de chanter de trop à la sonne et vous soyez digne de lui. Et maintenant qu'ils sont partis, telle fine un vol de perdrix, me voulez-vous, madame? Tantôt pour un temps, vous m'aviez choisi. Je connais plus mon nom. Le temps est fini. Allons donc, ce rythme divin. Il ne chante pas. Woo-hoo!
quoi nous causions, prince. Dites, dites. Nous nous demandions ce que doit faire le mari lorsqu'il apprend que sa femme a voulu l'intrigue. Moi, je brûle la cervelle au monsieur. Je le fais mourir sous le knout. Ouh, quel sauvage. Oh, vous êtes sévère, messieurs. Et pas parisien pour un sou. Mais que tenons un mari parisien en galant de sa femme? En général, il le tue, toi. Messieurs, le prince a raison. Du reste, en matière de femme, il fait autorité. C'est un recordman. Un champion. Un guide. Mais non, monsieur, mais non. En fait, de femme, le plus savant n'est qu'un écolier. Je proclame que chaque femme, qu'elle soit teinte ou sans femme, vierge folle ou vierge sainte, jeune dame ou petite femme, ne s'enflamme que parfaitement différente. Ça dépend de son état d'âme, de son tempérament. Celle-ci féline comme une chatte, yahou, yahou, dimimi. Ce que s'envole la main, la natte comme ça, comme ceci. Celle-là pourrait faire un coup la batte, et même elle vous dit merci. D'un coup de poing ou de savate, comme ça, comme ceci. Je vais c'est pas dit presse. L'autre de savante caresse, qui lui font pousser des cris. Mais toute femme ou maîtresse, qu'on soit laid comme eux, qu'on soit comme moi. On les prendra avec des espèces comme ça, comme ceci. Oh oui, depuis qu'Ève écoutant le serpent, séduisit cette bonne patte d'Adam. L'homme ne sait jamais ce que trame. Cœur de femme, 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 femme. Elle le change du soir au matin. Il ne ressemble pas à demain. Pas moyen de comprendre le cœur féminin. On n'y frappe jamais rien, rien, rien. Oh les femmes, sacrées femmes, oh les femmes, sacrées femmes. Depuis qu'elle est le serpent, c'est qui dit cette bonne main d'Adam. L'homme ne sait jamais ce que femme. Cœur de femme, 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 femme. Elle change du soir au matin. Hier ne ressemble pas à demain. Pas moyen de comprendre le cœur féminin. On n'y croit jamais rien, rien, rien. Depuis qu'Ève écoutant le serpent, séduisit cette bonne patte d'Adam, l'homme ne sait jamais ce que femme, comme de femme, 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 femme. Elle change du soir au matin, hier ne ressemble pas à demain. Pas moyen de comprendre le cœur féminin, on n'y croit jamais rien, rien, rien. Elle change du soir au matin, et elle ne ressemble pas à demain. Pas moyen de comprendre le cœur des guillemets, on n'est pas très bien, 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 bien. Mais si je vous obéis, si je renonce à vous, quelle sera ma récompense? Mon ami, les bonnes actions portent leur récompense en elles-mêmes. Oh Nadia, me refuserez-vous même un baiser d'adieu? Un baiser? Vous voulez me perdre? Je vous en prie. Alors, pas d'ici. Viens dans ce joli pavillon, il paraît très indulgent. Ces murs entourent un devoir de ne rien dire et de ne rien. Produise, accueillant des complices. Viens, la porte ouverte nous invite, elle a l'air de et je veux bien la porte.
portes ouvertes nous invitent, plus on fera jamais rien. Viens, viens, il sera protégé, accueillant debout, je deviens fou. Je voudrais m'expliquer calmement, très calmement. Pardon, mesdames. C'est une histoire de femme. Elle manque de beauté, mais non point de vérité. Je raconte. Jean-Pierre adorait Jeannette. En faut-il plus pour être heureux? Mais tous deux se taisaient à tue-tête, car un obstacle était entre eux. Jeannette était riche meunière, très bonnet des jolis moulins, tandis que n'avait le pauvre Pierre que son cœur et sa chemise de lin. Ne voulant pas parler la première, et plutôt que de dire le mot qui aurait fait le bonheur de Pierre, elle épousa cet idiot Jaco. Mon avis là-dessus, c'est le vôtre. Jeannette eut tort faisant cela. Elle ne valait pas moins qu'une autre, toutes les femmes en sont là. Mais heureusement, ce bon Pierre fut vite guéri. Il existe d'autres meunières et d'autres moulins à Paris. Quand il rencontra la coquette, il lui dit très allègrement: garde Jaco, pauvre Jeannette, je garde mon cœur. Compliment! Je vais où je suis chez moi. Je vais plein de gaieté, boire à votre santé, parmi de bonnes filles, dont le cœur s'est parti. Manon, lison, Ninon, Susan, penchant, toi non, voilà ma vraie famille, voilà ma vraie chanson. Le beau mariage, la 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 la, le beau voyage, la 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 la, on l'entend les cris d'amour, on prend la lyre, la 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 la. Thank you.
vous moquez. Ah, madame, je vous croyais plus de cœur. Alors ça vous est égal, les souffrances de la patrie. Ça vous est égal de la voir devant vous, inquiète, désespérée, pleine de dépit, de rancœur, de jalousie. Vous ne savez pas ce que vous êtes pour elle. Qu'elle ne pense qu'à vous, qu'à cause de vous. Elle ne mange plus, elle ne dort plus, la patrie. Oh, je lui en demande pas tant. Vous ne songez pas à ce qu'elle souffrira si vous devenez madame de Coutançon. Mais je ne pense pas à épouser. Alors, le pavillon, vous étiez enfermé. Comme ferme-neuve, pour sauver une amie. Vous avez fait ça? Mais alors, il n'y a plus d'obstacles. Mais non. Mais si, il y a 300 millions d'obstacles. À casse-cœur, à casse-cœur.